crabi 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 crabi. L'ami des petits. On va en Thaïlande les gars. Là c'est Krabi. Et ces fameux spots d'escalade. Alors j'imagine que les gars montent pas ça, mais quoique. Donc c'est un peu plus wild que la Malaisie. Hein. Il y a des tuk-tuk, ça a l'air quand même un petit peu plus dans mes cordes ce pays-là. Même si je ne renie pas la Malaisie pour un rond. Thaïlande, deuxième jour. Et là, on arrive à Railay. Les touristes se suivent en randonnion. Donc on va dire que c'est plutôt pas trop dégueulasse. Bon, un deuxième jour dans notre beau pays. Cheers, my friend. Donc bah, je pense que ça va pas trop mal se passer ici. Petit point vidéo en direct de Railay. Putain, alors qu'il y a des singes partout. Il m'a fait peur ce con. Donc je viens de me taper une putain de grosse montée là. J'ai dû escalader, prendre des cordes, c'était boueux. Vu qu'il a plu toute la sainte journée hier par contre. Voilà, on surplombe la baie. Railay Est. Railay Ouest. Alors nous sommes présentement en train de partir à la découverte d'un paradis perdu sur une route balisée. Parce que faut quand même pas trop déconner, l'aventure c'est pas encore pour tout de suite. Donc je suis présentement en compagnie de mon ami Stewie. Bonjour. Et son anglais vraiment châtié. Donc voilà, allez, prochain point, arrive à destination. On est à Phanong Beach. La plage des phallus. J'ai pas bien compris vraiment la signification de ces pines en bois. Et donc le souci ici c'est que c'est vraiment blindax de gens, donc je pense que je vais dégueuler incessamment sous peu. Puis... je vais retourner à l'hôtel mater les buts de la Champions. Je vais vraiment finir par les détester, ils sont tout pas. Regardez-moi ça. Ouh. La Monkey Connection. On est toujours à Railay, on assiste à une sacrée belle bataille de ces deux combattants. À notre short noir bleu marine Sanji Wang et short bleu Bernard Debed. Donc en fait il faut savoir que cette joyeuse mascarade pour les touristes qui sont là partout, ça a été organisé par le bar de Yuki qui est là. C'est plutôt cocasse, ça empêche pas les gars de se mettre des gros pains dans la chemise. Donc je mets une petite pièce sur le gars qui se fait dérouiller. À cause de ses cons d'anglais, faut toujours parier. Allez, allez Bernard. C'est une pluie de pu qui s'abat sur le concurrent anglais. Ça va beaucoup trop vite pour lui. Regardez-moi, ça va à 100 à l'heure. Il essaie de s'échapper, il n'y arrivera pas. Ça sent plutôt le pâté, il est encore à terre. C'est la cinquième fois du combat que le concurrent anglais se retrouve au sol. Pendant ce temps-là, la partie continue, les amis. Hop! Ça la Thaïlande. Ça va dans tous les sens.